Alors bonjour à tous et merci de toujours être aussi fidèles et nombreux. On est rendu oui oui, c'est toujours en, en fait ce 30 juillet 2019, 6h1 heure du Québec. 30 juillet qui est une journée vraiment historique comme aucune autre. Car c'est le seul et unique 30 juillet de toute l'histoire de l'humanité, comme toutes les autres journées sont historiques parce qu'elles sont uniques. C'est important de comprendre ça et d'en profiter de chaque instant parce que vous les reverrez jamais ces instants-là et c'est important de comprendre ça, on est tellement dans un un derby, hein? c'est comme un derby la vie, c'est comme une course, mais plus comme une espèce de d'événement de, de sport extrêmement. Hein? On passe à travers ça, c'est pas facile, mais c'est là la beauté de la vie aussi, dans le quotidien. Et c'est important de comprendre qu'on a un jour qui est malheureusement ou heureusement prédéterminé de journée hein? dans notre euh, calendrier. À chacun de nous, on a tous un calendrier, et franchement, on sait que ce calendrier-là est limité dans le nombre de feuilles, dans le nombre de mois, dans le nombre d'années, et que c'est important de comprendre que oui, c'est pas facile, mais oui, ce chemin-là a une raison d'être, et chacun d'entre nous sommes comme les jours qui sont uniques, chacun d'entre nous est aussi unique. Ça, c'est très important aussi de comprendre ça. Et on est tous, qu'on le veuille ou non, même si ça ne vous tente pas pour ceux qui ne veulent vraiment pas y croire, ben, vous êtes tous d'essence divine, autant que vous êtes. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est là où, quand tu t'assois et que tu réfléchis à ça, 30 secondes, que tu comprends que ceux qui vous entourent, malgré leurs défauts, malgré les côtés qui vous irritent, sont de la même essence divine que vous. C'est extraordinaire, non C'est fa... vraiment renversant des fois parce que on est sur la route, on a un événement quelconque dans une journée qui vient nous fâcher par rapport à quelqu'un, hein? on s'emporte, on s'emporte, il y en a qui vont jusqu'à frapper ces gens-là des fois dans un élan de folie ou d'autres même à aller plus loin dans cette folie-là et ça finit dans un un événement tragique qui mène à une mort, j'imagine que quand tu es dans cette situation-là, tu dois avoir toute une, toute une période de trouble qui s'installe. Quand tu te retrouves devant le juge, quand tu te retrouves condamné, et après ça, quand tu te retrouves en prison, privé de ta liberté, pour ce qu'elle en, qu en est, mais quand même, on s'y rattache quand même. Donc, imaginez-vous que vous avez fait tout ça, mais que vous avez aussi euh, porté atteinte à une, une autre personne qui, que vous l'aviez aimée ou non, qu'elle vous ait pompé l'air ou non, était aussi d'essence divine. Donc, c'est complexe, tout est complexe. Et c'est plus t'avances dans la spiritualité qui a rien à voir avec la religion que tu te rends compte que c'est pas facile cette route-là qui nous mène à la station finale. C'est pas facile pour qui que ce soit. Pis on est tous, tous, dans toutes nos vies, hein, individuelles, autant qu'elles sont, 8 milliards, dans le même, même wagon. Mais un wagon parallèle, parce qu'on le fait tout ça, même si on est tous ensemble, on fait tout ce trajet-là, je peux vous le garantir, toujours seul. Donc, d'où l'importance de l'accompagnement de. Une partie de cette essence divine-là avec nous via une spiritualité, parce que je peux vous dire que tu peux compter sur personne. Or, quelqu'un va venir t'aider dans un moment pour t'ouvrir une porte ou t'aider à déménager ou à peinturer, mais pour le reste, l'essentiel, vous êtes toujours, toujours seul. Et c'est ça la justice de cette vie-là aussi. C'est que, que tu sois riche ou non, que tu sois célèbre ou non, tu es toujours seul dans, dans cette. Aventure dans cette destinée, dont la destination est connue, hein, mais on ne sait pas quand elle arrivera, c'est-à-dire la fin. Que tu sois riche ou célèbre, il n'y a rien qui va changer au fait que quand tu arriveras là, on sera tous, et pendant qu'on fait ce chemin-là, on est tous sur le même pied d'égalité, ton argent, ta célébrité, ne peut pas t'acheter ce qu'on peut appeler, disons, le paradis. Et c'est ce qui fait que quand tu arriveras à la fin, comme tout le monde, que tu aies été riche ou célèbre ou non, sera confronté au même jugement qui lui sera juste pour tous. Et qu'après, le passage vers cette autre aventure qui nous attend, tout ce que tu auras accumulé comme richesse et célébrité n'aura plus aucune, aucune valeur. Donc, c'est important de comprendre que tout cet aspect physique-là est matériel n'est important que dans cet univers humain qu'on a créé ici et qui est probablement la possession, hein, la propriété des forces qu'on peut qualifier de, du mal. C'est encore possible, je pense, hein, même si on est athée ou on n'a aucune spiritualité, d'admettre qu'il y a du, des forces du, du mal et des forces du bien. Que tu le veuilles ou non, c'est comme la vie de la divinité, tu ne peux pas... T'en défaire, même si tu veux ne pas y croire, c'est là. Les forces du mal et du bien sont là aussi. On peut facilement conclure qu'on soit athée ou non, spirituel ou non, croyant ou non, qu'on est dans un monde où c'est les forces du mal qui dominent. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Donc une fois que tu arriveras à la fin de cette aventure-là, ça sera différent. Personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on sait que ça va être différent. Et je peux vous dire une chose, c'est là où ça devient intéressant et juste. Donc je voulais vous partager un autre petit volet de spiritualité, parce qu'on en fait ici de la spiritualité, parce que c'est important, sans T as le droit d'être chrétien musulmans, bouddhistes, mais moi je vois ça de façon supérieure à tout ça. Parce que ce sont des mouvements qui sont de création humaine, d'inspiration sûrement, elle aussi, divine, mais de totale création humaine, qui rentrent dans le même cadre que tout le reste qui se, qui, de ce qui se passe sur la Terre, c'est-à-dire faisant partie. De cet univers dominé par le mal. Pas besoin de vous convaincre que toutes ces religions-là, même si elles ont fait du bien à certaines personnes, dans l'ensemble de leur structure et de leur gouvernance, n'ont rien fait pour le citoyen ordinaire et l'humain, sauf apporter encore plus de division et plus d'injustice et donner plus de pouvoir aux élites. Donc, mais c'est correct d'en faire partie, ça ne fait pas de vous en faisant partie d'une religion. Ça ne fait pas de vous un être méchant ou satanique ou adorant le mal. Parce que ce n'est pas votre intention à vous. Ici, on parle des dirigeants de ces mouvements religieux-là, bien entendu. Donc, franchement, ça va être intéressant d'arriver vers la fin. On n'est pas là, on ne veut pas que ça arrive tout de suite. Mais c'est important de comprendre que sans spiritualité, c'est très difficile d'arriver à cette dernière destination. Puis une fois que tu es rendu là, je peux te dire que tu vas être dépourvu et dépassé par les événements. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas non plus arriver et passer du bon côté. S'il y a un bon côté et un mauvais côté, ou si tout le monde est réuni, il n'y a personne qui le sait. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu aurais été détaché de la spiritualité et la vie aurait été plus dure, Qu'une fois que tu fais face à la mort et que tu la traverses, ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas eu de spiritualité, tu ne seras pas accueilli non plus. Je ne le sais pas, il n'y a personne qui le sait. Donc, encore là, c'est toutes des idées préconçues qu'on a. Hein? Mais, je peux vous dire, d'expérience, que même si ça t'amenait à rien et ça te servait à rien de l'autre côté d'avoir été spirituel, je peux te dire que sur dans ce monde-là actuel, qui est le règne du mal, tu as vraiment besoin de la spiritualité si tu veux continuer à rester équilibré et en possession de tous tes moyens et de la direction que ta vie prendra. Merci de m'avoir écouté. Je reviens vraiment avec les rayons cosmiques galactiques, mais ça faisait longtemps que j'ai été un peu moins actif ces temps-ci parce que c'est les vacances, j'ai les enfants. Il faut que je m'en occupe plus parce qu'ils veulent aller se baigner, ils veulent aller ceci, cela. Donc, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas parlé dans le blanc des yeux je vais être un petit peu plus actif, là. je vais travailler un petit peu plus aujourd'hui, j'ai beaucoup de nouvelles. Et là, on s'en va tout de suite après voir ces fameux rayons cosmiques galactiques qui sont beaucoup plus dangereux qu'on peut le penser. Restez là.